Hey, ça va toi? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'ai deux invités. Je les présente plus sur ma chaîne, la dernière fois ils ont monopolisé ma vidéo. J'avais fait un sondage sur Instagram et je vous avais demandé si vous voulez les revoir dans une prochaine vidéo et les trois drôles de dames sont de retour. Vous allez le voir, on va faire une nouvelle vidéo qui est assez drôle. Comme d'habitude, n'oubliez surtout pas de me suivre sur mes réseaux sociaux. Likez, partagez, comme d'habitude. Aujourd'hui, on va jouer à l'application de Darko qui a sorti avec Bastos, si je ne me trompe pas. C'est un jeu de cap ou pas cap sur le téléphone. Et on va faire les défis que nous propose l'application justement. Ce qui peut être assez drôle avec ces deux clowns qui sont avec moi. Donc sans plus attendre, c'est parti avec la vidéo, let's go. Sans plus attendre, je vais vous présenter ma première invitée. Je vous présente Madame Cricket. Je viens pas. Tu viens ici. Cricket de retour. Vas-y, fais ta youtubeuse. Hi. Et ma deuxième invitée, sans qui la triche n'aurait pas existé, hein, on est d'accord là-dessus. Je vous présente Hélène, la tricheuse. Aujourd'hui c'est tout, ouais. Eh, ça y est, on est entouré de deux youtubeuses. Je suis non mais grave, je vois ça. Là tu peux pas tricher, je te le dis direct. Hein. Ah oui. Parce qu'elle nous a avoué que dans l'ancienne vidéo, elle avait triché et regardé à travers le masque et ça elle nous l'a dit à la fin. Ouais ouais c'est ça. Ça veut dire que c'est pour ça qu'en fait pour le peu qu'on mettait dans sa bouche, elle crachait. Non. Ça n'arrivera pas cette fois-ci, on se fera pas berner. Elle a mangé des criquets, elle veut sa vengeance. On vous laisse avec la mixture et on revient juste après. Bon, dans la mixture on aura du concentré de tomate, tout ce que je déteste, balsamique, sauce balsamique, de la moutarde, chili et peut-être qu'on va rajouter aussi des olives noires. Ça les scrolls dans la mienne, t'as mis plus. Non, ma part, j'ai enlevé, elle m'a dit d'enlever. Salut, Thomas. Vas-y, moi je suis d'accord. La tête de ma mère, t'as pas mis plus. Non, regarde, t'as mis que ça, toi. Je vais en rajouter. Donc, j'explique quand même le concept avant de commencer. C'est un jeu de cap ou pas cap. On a chacun nos verres avec les mixtures écœurantes. En gros, on aura des défis que l'application va nous lancer, soit à chacune, soit au groupe directement. Si jamais on fait le défi que nous lance l'application, on n'a pas à toucher nos verres. Par contre, si on décide de pas faire le défi lancé, on boit. Ok. Ok. Vous êtes prêtes? Oui. Ok, go. Donc là, les babés, cap de citer trois chansons de Aya Nakamura en 10 secondes. Joli garçon, non, jolie nana, un des deux, jolie nana. Donc, c'est quel ce genre de salope là? J'en ai rien à foutre, YouTube ou pas YouTube. Mais c'est pas ma parole, je bois pas. Allez. Juju, cap de lécher le visage d'un autre jour. On a tout du maquillage là. Moi, je te conseille de faire ces gels. Je suis maquillée. C'est un potentiel. Je suis maquillée. Je sens de l'insulte là. Bon regarde, ça se voit. Ça va, j'ai été gentille moi. C'est poudreux elle. J'aurai de la poudre sur la langue. Attendez, je prépare mon coca. Je suis déjà. Écoute, non attends. Je suis déjà à ma troisième. Hey, finalement, t'as fait de la pub pour Coca, il me paye pas, propose ça là. Je suis pas de pub, il me paye pas. Attends, tu peux boire sinon tu peux boire la mienne. Ah bah oui, je peux boire, je m'en fous. Soit tu bois, soit tu. Non, mais par contre, faites pas les gamins, c'est une vraie gorgée. Hein. Non, non, bois. C'est elle qui se fait lécher, c'est elle qui du bois. Ah, regarde, elle refuse que je veux un truc, c'est toi, tu. Non, bois. Non. Si, c'est ça les règles. Mais t'as fait que je veux un verre ou quoi, vas-y. C'est une escroque. Équipe tous ensemble. Donc là on doit lever nos verres. Cap d'être le premier à citer un métier commençant par C. Commerçant. Commerçant. Non c'est pas un métier. Non. Si. Carpentier. Moi j'ai un métier coiffeur.
du carton. Carton Pointu, c'est quoi? Mais c'était le nom de famille de ma prof de. Si t'as trouvé, c'est bon, on n'est pas obligé de boire, on a voulu t'amener. Elle boit, sinon vous êtes des abonnés, ça fait mieux. À la nôtre. Eh, hey, t'es une grosse. Oh putain, la tricheuse là. Il y a même. Elle a collé ses dents sur le gobelet, grosse. Non. Quelle mythe. Ça va, hein. Duel. Oh non, toi et moi. Juju et Hélène, cap d'être le premier à toucher un inconnu. Y'a pas d'inconnu. Dis-nous de toucher autre chose, tu veux en premier, vite. Dis un truc et sur la cap table. D'être la première à toucher un briquet. Cours, tu vas boire sinon. Elle a même pas cherché, hein. Elle juste pour pas boire. Elle a même pas cherché. T'es une ouf, toi, à boire. Heureusement qu'on avait allumé les bougies tout à l'heure, il n'était pas très loin. Bois. Tu bois. Mais je crois qu'il était sur la table. Hélène. Cap de sentir la laine de tous les autres joueurs, le putain prend un sugar. Ouais, je m'en fous. Pas d'acheter des sugars. Ramène, hein. On va se faire insulter. On va se faire insulter dans cette vidéo. Non, c'est pas chez moi. Ça sent trop bon. Ça veut dire on va se faire insulter dans cette vidéo. Si tu fous de la gueule ou si c'est moi, elle va dire soit tu prends, soit je prends. Donc en fait, elle va nous afficher devant la France entière. Vous voyez pas en dessous ce qui se passe, mais la table, c'est un chantier de bouffe. Alors si on pue pas de la gueule, je suis désolée. Hein. Je fais de la publicité, j'ai des Hollywood. Non, ils ont pas payé. Comme ça, t'auras plus de vues. Au début, ils vont s'abonner à ta chaîne. On veut des chewing-gums. Comment on veut des chewing-gums gratuits? On demande à Hollywood. Vas-y. On veut des chewing-gums gratuits. Ouais, à vie, on fait la pub. Ouais. Attends, j'ai bougé. C'est un peu automatique. J'ai bougé. Vas-y. Attends, j'ai pris ma meilleure haleine là. Non, parce que je sais que t'as l'habitude de me faire ça, du coup je bouge tout le temps dans mon nez. Non, parce qu'elle met son gros nez dans ma bouche. Vas-y. Vas-y. Tu tends le chewing-gum, c'est pas grave. Non, ça va en fait, hein. Non, mais tends le chewing-gum, il faut que tu tends le chewing-gum à l'une d'entre nous. Mais les deux, ça va. Bon, ça va, on peut pas de la gueule. Non, ça va. Ah là là, donc ça va. Juju et Hélène, duel. Toujours nous deux. Elle a triché maintenant sur l'application. Moi, tu diras ça à Darko et Basto, c'est pas moi qui fais les trucs. C'est moi qui vais vous dire parce que c'est un truc de rapidité. Cap d'être le premier à toucher un objet bleu. Oh putain. Bleu. Une forêt. Mais, il faut lever ses fesses. Bleu, et t'as pas un truc bleu dans ton. De ouf. Ah ouais, merde. Bon. C'est mon mascara. Tu en sais que ton mascara, tu vois pas? Bah dans une marque, on l'achète pas. Non mais qu'est-ce qu'elle a dit? Elle est complètement égarée. C'est quoi la marque? Je l'ai à tout le monde, comme ça elle n'achète pas. Revlon. Ouais, comme ça. Ah mais t'as là, tu pousses tes cheveux pour moi. Parce que toi t'es une tricheuse. On est tous pendus à tes lèvres. Lèvres bas. Putain. Cap de pointer du doigt le joueur le moins bien habillé. Sans hésiter. Sans hésiter. Non mais en même temps, on est chez elle. Elle est en pyjama, vous voyez pas forcément. Voilà. Pourquoi toi t'as jamais de trucs? C'est le deuxième que tu fais depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure c'est moi et Hélène. Non, il y a tous ensemble en équipe. Ouais, bah, bizarrement que toi y a pas. Mais tu crois que c'est de l'application à ma mère ou quoi? Voilà. Putain mais c'est un chétan celle-là. J'en ai marre d'elle. Ça le chétan va. Cap de donner les âges de tous les joueurs. C'est censé être ma soeur. Hein. Attends, toi. Tu perds, tu bois, hein, je te le dis. Non, non. Si, si, non. Bien sûr que si. Pas du tout. Mais c'est ça le cas. Si. Vous êtes pas loin toutes les deux, c'est sûr déjà. J'aurais dit 29. À qui? À toi. Ok, à elle. Non mais dis-moi. Bah, on te dira si c'est bon ou pas. Tu veux un indice? Toi t'as 28. Ok, t'as perdu. J'ai pas envie de dire, mais j'ai pas 28, tu bois. T'as quel âge? 29. Voilà, dégage, je sais que t'as 29. Non, je veux dire, t'as 29. Non, elle a pas 29. Ouais, mais t'as perdu. T'as 29 aussi. Oui, mais t'as perdu. Non, je m'en bats les couilles, ouais, c'est bon, j'ai mis une sur deux. N'importe quoi. T'as perdu. T'as perdu. Tu bois une demi. Ah ouais, t'as décidé d'être de ce côté. J'ai connu ton âge quand même, hein. Mais tant que j'allais dire tout est de 29. J'ai déjà mal au ventre. C'est le jeu. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Elle a fait trop la maline, hein. Attends, tu vas voir. Ah
Ah non, plus tu bois, plus c'est horrible. Moi je dis que on est en train d'inventer nos propres règles du jeu, mais ce qu'on a, on a déformé leur application. On déforme toujours. On va leur apprendre c'est quoi le vrai jeu. Hélène cap de donner le nombre d'habitants de la Suède à 1 million près. On va regarder sur Google. Ah bah jamais trouvé. Je sais même pas où elle habite. T'as 1 million près. Regarde son tête. Mais regarde ses yeux vides. Tu peux répéter la question? Oui, je vous en prie, ma chère. Nous sommes dans le jeu de. Question pour un champion. Voilà, question pour un champion. Cap. Oui. Cap de donner le nombre d'habitants de la Suède à 1 million près. Genre, t'as 1 million près pour. Mais la Suède, c'est grand. Hein. Ouais. C'est déjà la Suède. C'est à côté de la. 1 500 000. Tu bois. Soit 10 millions. Hein. Il a dit à 1 million près. Bah, ça veut dire que tu pouvais dire les deux ans, tu serais, t'aurais, deux, voilà. T'aurais gagné. Si t'aurais dit 11 millions, t'aurais gagné. Non, mais elle est là, je fais 10. Allez. Il y a une échelle pour lui. Non, vous avez dit si on se trompe, on fait pas. Non. Ah, depuis tout à l'heure, vous êtes dans un. Je me suis trompée pour son âge, vous m'avez fait boire, tu bois. Ah, j'ai plus aucun scrupule avec vous deux. Alors, vous aussi. Ah non, franchement, c'est pas possible. Hein. C'est encore elle. Franchement, j'adore cette. Mais laisse, on lit la question de nous. Non, parce que vraiment, on est trop. T'es trop tricheuse, toi. Cap de te faire passer les fesses par Gigi. Bon, oui, c'est pas grave. Est-ce qu'elles font tout le temps Sans en privé, faut pas dire. En plus, il y a du vomi. J'adore cette application, je tombe sur rien du tout. C'est super. Cap de faire une déclaration d'amour à Juju. Alors ça là, sans hésiter, même si j'y crois pas ce second. Non, fais une sincère. Non mais non. Comme une fois tu m'avais envoyé un beau message, j'avais les larmes aux yeux, fais-moi une sincère. Non mais ça, il y avait des circonstances, je peux pas déclarer. Non mais c'est normal, écrit des livres, donc Non mais vas-y, fais une vraie, sinon j'aime pas les hypocrites, je te signale. Je fais même pas ça à mon mec, t'es ouf toi. Tu sais ce que je pense de toi. Je t'aime de tout mon cœur, depuis toutes ces années. Arrête, je vais pleurer. Tu es une amie en or, comme tout le monde rêverait d'en avoir. Ça marche, allez, on continue. Je le regarde, c'est une mytho, vas-y. Alors, Non, mais en fait, quand tu parles, c'est trop faux, même si je sais que tu le penses pour de vrai, mais c'est trop faux. Qui t'a dit je le pense? Bah, je le sais, tu m'envoies toujours des messages en privé. C'est mon mec qui sont déjà loin de là. Non mais grave, non, plus sincèrement, sérieusement. Justine, tu sais vraiment ce que je pense de toi depuis toutes ces années, on se connaît depuis belle lurette maintenant. Peut-être grâce à elle, parce que vous connaissez, je me suis initiée et incrustée dans votre amitié. Tu es une femme forte malgré ce que tu peux penser de toi-même parfois, et je le sais. Tu as combattu bien plus de choses dans ta vie que quiconque sur cette terre pourrait le faire et accepter. Tu es parfois peut-être trop gentille, ce qui est un gros défaut pour moi. Mais en gros, tu sais que je te kiffe quoi, voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus. Merci, ça me touche toi. C'est bon. Inch'Allah, tu tombes sur un défi. Il y a deux ans, c'était une déclaration d'amour. Bah attends, après l'amour, la guerre. Mais le prochain, c'est mieux. Tous ensemble, capable de faire tenir votre verre sur votre tête 5 secondes. Il faut mettre le chronomètre. Regarde. Oh, ça glisse, j'ai les cheveux gras. 1, 2, 3, 4, 5. Cap de le reposer si vous avez votre bac. J'ai mon bac. Si je l'ai. Non, t'as pas je l'ai. Ma pote, tu t'es arrêté au PEPE, ça me tombe. Du coup, je me suis arrêté au bac. Ouais, je me rappelle, j'allais la chercher au lycée. Non, niveau bac, elle a pas son bac, tu bois. Non. Bébé, comment vous êtes des tricheuses. Mais tu vois, tu bois. Notre cursus scolaire. Moi, je le connais mieux que votre mère. Buvez. Tu bois. Et toi aussi, tu bois. Mais j'ai mon bac. Ah, grâce à Dieu, moi, ça va quelque chose, ce bac, je vais pas boire. Tu bois. Il a servi que à pas boire. Je te jure, il m'a servi que à pas boire. Moi, je me suis arrêtée au BTS. Vas-y, bois là. La députée crédible. Tu bois. Non, t'attends pour boire toi. Parce que je peux regarder toutes les deux en même temps. Elle a fait la gueule. Tim, vas-y. Hey, tu craches pas, y'a pas de crache. Tu craches pas, la vie m'arrache, tu craches pas. Mais regarde, elle triche, elle prend raison sous notre verre. Oh, elle triche. Depuis tout à l'heure, elle renverse dans son autre verre. Non, bah là, c'est de l'eau dedans. Non, on l'a mis toi, tu dois. J'ai une vomi, tu bois. J'ai bu. T'es une menteuse, t'as pas bu. Non. Oui, puis la caméra, j'ai bu. Je te jure sur ma vie que t'as pas bu. Je crois que j'ai parlé qui boit. Non. Ça pue. J'ai un problème avec les mauvaises odeurs. J'aime pas les gens qui puent, j'aime pas les trucs qui puent.
Franchement, je dirais que tu bois de l'huile ou mélanger avec je sais pas quoi. Tous ensemble, cap d'être le premier à sortir un dossier sur Juju. Oulala! Oulala! Moi, j'en ai de très très beaux. Non, mais attendez. T'en m'enfonce. Je suis la première ado, elle a un problème avec les pieds, c'est qu'elle aime trop coller quelqu'un quand on est assis. Il faut absolument que ses pieds touchent mes pieds ou il faut que ses pieds touchent mon corps. Ça, j'ai sorti premier dossier, c'est moi qui ai gagné, tu vois. Ah c'est... oui, c'est ça. Cap d'être le premier à sortir. Mais non, c'est une pro. Non, tu m'as carotte. Non, non, je voulais le dire. Mange tes pistaches. Là, il fallait plus concentrer à manger ses pistaches. C'est dangereux. Je répète la question. Tous ensemble, cap d'être le premier à sortir un dossier sur Juju. Le premier, ça veut dire la première personne qui sort. La deuxième, elle boit. Donc en l'occurrence, elle fait la carotte, d'accord ? Hein ? Donc tu bois. Bah non. Vas-y, c'est quoi, tu merci, bois. Merci, juge, merci. Voilà. Bon, c'est quoi, tu bois pas, c'est pas grave. Non, on sort un dossier. Non, c'est marrant. Mais qu'est-ce que tu veux, dossier sur moi ? Je vais sortir un dossier sur toi, tu vas. Dis-moi, sinon je vais dire un truc d'ouf. Je sais ce que tu vas dire, c'est pour ça que je suis en panique. J'ai grandi, ça y est, c'est fini, j'ai dit ça. Moi, j'ai plus cette menace. Allez, j'ai agi aussi. Juju. Alors, le babé, cas de faire un tour de la pièce avec du jus sur le dos. La vie de ma mère que je veux faire, j'en ai rien à foutre, je bois. Monte sur mon dos. Casser le dos. T'as signé quoi que tu bois? Celle-là, elle est trop maigre. Allez, tiens-toi. Oh mon dieu! Franchement, tu m'as étranglé! J'ai les jambes qui flanchent! Cap d'être le premier aux toilettes! Je comprends pas comment elle a doublé. Non mais elle m'a passé sur le corps. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de venir me suivre sur mes réseaux sociaux. N'oubliez surtout pas de vous abonner aussi à la chaîne en cliquant sur ma tête. Non, je clique sur sa tête. Tu mets le message qui s'affiche. Ping. Comme elle clique. Instagram, Snapchat, TikTok. Oh non. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur ma tête qui s'affiche sur votre écran. En attendant une prochaine vidéo, je vous laisse avec une de mes dernières vidéos qui s'affiche également. Prenez soin de vous, je fais plein de gros bisous. Ah, mais vraiment, elle m'a questionné dessus quoi. C'était la vengeance. Mais Corona ! Y'a pas de Corona. Ça c'est les crachards des darons là. Ça c'est les crachards, manque de respect.